Bonjour tout le monde. Alors vous vous souvenez, on avait fait un chiour sur le rouche. Vous vous souvenez le rouche? Le rouche. Ce sens, ce sixième sens, cette fibre intérieure qu'un juif a dans l'Avodat Hashem. Le rouche, il a le rouche. Il a le rouche. On avait cherché des traductions de ça. Alors je vous avais proposé, je relis un petit peu, une fibre spéciale, une sensibilité spéciale, une perception fine, un sens aigu, on avait dit, un sens aigu, une attache profonde, un sixième sens, une vibration intérieure. C'est pas moi qui ai trouvé tout ça. C'est en discutant avec l'un et l'autre, chacun m'a proposé une traduction. Une intuition. Une flamme intérieure. Une émotion. Une sensation. Voilà, après que vous aurez écouté ce chiour, alors vous proposerez aussi un mot comme ça qui touche. En tout cas, c'est quoi l'idée du rouge? L'idée du rouge, c'est que Hachem attend de nous que petit à petit, la Torah soit quelque chose d'intérieur, de naturel. Tout, même la Emouna, la croyance en Hachem. Au début, ça peut être quelque chose d'intellectuel, tu réfléchis, tu comprends que le monde s'est pas fait tout seul. Alors tu comprends qu'il y a un créateur. Comme Avraham Avinu, au début il y a une démarche philosophique, une démarche intellectuelle. Mais petit à petit, ça devient rouge. Je ressens. Et c'est fini, j'ai plus besoin de preuves, j'ai plus besoin de le prouver, j'ai plus besoin moi-même d'avoir de preuves. Ça y est, comme David Amelech a dit, Derech Emouna Baharzi, ça y est. J'ai choisi d'interpréter tout dans le sens de la Emouna. Et à un moment, ça y est, ma Emouna, elle est ancrée en moi. Et tout comme ça, pareil pour tout. Au début, disons, ça va être peut-être difficile de se décider à manger kasher. C'est pas facile. Hein. Et puis à un moment, ça y est, non mais il est hors de question que je mange pas kasher. C'est, mais bien sûr, le Shabbat. Ah ben bien sûr, ah ben non, Shabbat manquerait plus. Comment, mais il y a 10 ans, tu transgressais le Shabbat. Bah oui, bon, on a fait du chemin entre-temps. Ben, j'ai compris, maintenant c'est fini. Le Shabbat, c'est une donnée interne en moi. C'est hors de question. Les tfilines, tout, la kashrout, la tsniout. Il m'a la tsniout. Une femme qui, au début, a peut-être eu du mal de s'habiller tsniout, etc. Mais après, elle comprend. Ça y est, c'est en moi. C'est une fibre naturelle. C'est bien, ça devient intuitif chez moi. J'ai même plus besoin de faire un effort. Ça, c'est le rouge. Le rouge, c'est quand j'arrive, ça y est, je suis tellement attaché que ça ne me demande même plus un effort. C'est normal. Pessah, les tfilines. Regardez, au début, un juif qui se met à mettre les tfilines. Ah, tous les jours, c'est un combat, Mais il s'accroche. Après, quoi qu'il arrive, il mettra ses tfilines. Il n'y a rien, même s'il y a un avion à prendre, il y a rendez-vous, quoi qu'il arrive. Ah ben non, il n'y a aucun jour qui passera sans qu'il ait mis cette tefilines. Ça y est, c'est devenu un rouge. Il a le rouge.
Ah, et dès qu'un juif, il a le rouge, ça y est, il est dans la joie. Alors, je vous avais parlé de tout ça. Et j'avais dit que la Avera, ça fait perdre le rouge. Perdre le rouge. Quelqu'un qui faute, il perd le rouge. Il perd. Une faute, il perd. Deux fautes, il perd. Trois fautes, il perd. Il perd. Pff. Que Dieu nous protège. Tu peux trouver un juif qui, Has Veshom, il va manger n'importe quoi, manger des crevettes. Il est poupuras, mais c'est fini. Il a perdu le rouge de la cacheroute. Perdu le rouge complètement. J'ai même connu quelqu'un qui mangeait des crevettes, mais il croyait que c'était cachère. Il me dit, ben quoi, c'est du poisson? C'est du poisson. J'ai dit, oui, mais même les poissons, il y a des règles. Il faut qu'un poisson soit cachère. Il faut des écailles, il faut des nageoires. C'est fini, c'était perdu. Oh là là, quelle horreur. Je vous avais dit, comme quelqu'un qui a perdu le... Il a perdu son odorat, il sent plus, tu sens, je sens rien. Oh, quelle horreur! Et quelqu'un qui a la chance d'avoir un odorat développé, oh ça sent bon. Ou une perte d'audition, qu'est-ce que vous dites? Il n'entend rien, c'est fini, tout perdu. Et quelqu'un qui entend, une perte de vision. Has Veshalom, je vois pas. Et l'autre, il peut voir une mouche à 400 mètres. Une perte de toucher aussi, des fois même, dans le toucher, on ressent plus. Allez-nous, une perte. Il peut avoir une perte de rouge. Eh bien, il peut avoir une perte de rouge spirituelle. Spirituelle. Il n'est pour plus rien. Il dit, alors quoi, quel problème, qu'est-ce qu'il y a? Ben quoi, alors quoi, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui a son rouge spirituel, à fleur de peau. Ah, tellement délicat. Tellement sensible. Une belle valeur, ça le met en joie. Quelque chose de tordu, de corrompu, ça lui fait de la peine. Quelle beauté, un tzaddik, il a son rouge. Son rouge, le mensonge par exemple. Il y a des gens qui mentent. Mais c'est incroyable de mentir à ce point. Il ment comme il respire, je sais pas si ça existe, on dirait il ment comme il respire. Il ment. Oh, une perte de rouge totale devant le émettre la vérité. Et il y a des gens qui ont... Comment? Dès qu'il y a une petite déviation de la vérité... Mais c'est du mensonge, mais c'est du shéker. Le tzaddik, quand il a en face de lui quelqu'un qui ment, combien il a du mal à le supporter. Ça rouge. Alors comment nous voulons développer le rouge chez nos enfants? On veut développer le rouge parce qu'on a dit il faut éduquer nos enfants à ce qu'ils aient le rouge. Le rouge des mitzvot. Maintenant on est dans le mitzvot, voilà. Je voudrais que mes enfants vivent le Shabbat. Pas comme une contrainte. Et le Shabbat, on peut rien faire, on est coincé. Et qui il voit la montre pour savoir à quelle heure sort le Shabbat, non. Au contraire, vive le Shabbat, que le Shabbat c'est un grand moment. Quel bonheur le Shabbat. Qu'ils aient le rouge du Shabbat. Le rouge de la cacheroute. Le rouge de la tzniout. Le rouge de la tfila, le rouge. Donc comment est-ce qu'on peut développer le rouge? Bien sûr. Surtout un juif, certainement. Si quelqu'un dit... Je n'ai pas le rouge des mathématiques, mais je voudrais développer le rouge des mathématiques. Je ne sais pas s'il y arrivera. Je ne sais pas. Ça, il faut demander. Si quelqu'un n'a pas la fibre des maths, est-ce qu'il peut l'avoir? Je ne sais pas. Si quelqu'un n'a pas la fibre de la cuisine, est-ce qu'il peut l'avoir? Je ne sais pas. Peut-être lui, avec beaucoup d'efforts. Mais en tout cas, au moins, ce qui est sûr, c'est qu'un juif, forcément, c'est dans sa nature, c'est dans ses gènes, peut développer un rouge devant toutes les mitzvot. Alors c'est à nous de le développer. C'est ça, c'est même pas à nous de le créer. Nous n'avons pas à créer le rouge. Mais développe-le. Et nous, en tant que parents, c'est un travail qu'on doit faire sur nous-mêmes, évidemment, mais on doit, en tant que parents, c'est dans notre projet pédagogique, projet éducatif. Alors, comment on développe le rouge?
Alors j'ai noté ici, en parlant avec des gens, des idées, un des points essentiels, c'est la achana. La achana. Achana. Que veut dire achana? Parlez pas hébreu encore. Achana veut dire la préparation. La préparation. La préparation, ça aide à développer le rouge. Ne tombe pas dans le Shabbat comme Obélix est tombé dans la potion magique. Prépare ton Shabbat. Prépare ton Shabbat. Depuis mercredi déjà, depuis mercredi, ta tête, elle est dans le Shabbat. Les petits achats que tu fais à droite à gauche, réfléchir quel menu ça sera le Shabbat, quel dafina on va faire le Shabbat midi, comment on va faire, les invités du Shabbat. Depuis le mercredi, mercredi, jeudi, vendredi, vendredi matin, la journée du vendredi matin, ah, combien elle est importante, les achats, tout ce qu'on ne pouvait pas acheter avant parce que ça doit être frais, les fruits, certains légumes qu'on ne pouvait pas acheter avant parce que le marché du vendredi matin, ah, évidemment si on va acheter les gâteaux, les ralotes, si on les fait pas, le mieux c'est de faire les ralotes. Ah, si tu fais les ralotes. Oh. La hana, une maison où la maman fait les ralotes. Et quand elle va enfourner les ralotes. Ah. Et ce parfum qui se dégage. Ah, mais c'est quoi ça? C'est une boulangerie, c'est quoi ça? Oh. La hana, préparer la mitzvah. Préparer ton Shabbat. Préparer Hanouka. Moi, je me souviens, ma mère allait à Shalom. Je me souviens encore, je la vois encore prendre son coton et fabriquer les mèches. Un enfant qui a vu sa maman ou son papa fabriquer les mèches pour Hanouka. Fabriquer les mèches pendant 8 jours, il voit on prépare les mèches, on fabrique. Ce geste de la mèche, là, comme il est beau. Comme il est beau. Mais c'est sûr que quand lui-même, il sera en âge d'allumer la Hanouka, il allumera. Il allumera. Vous imaginez la différence entre une maison où il y a la maman qui prépare la mèche et elle remplit le gobelet d'huile et elle place la Hanoukia. Et une autre maison où on va acheter les petites bougies d'anniversaire, comme ça, on allume comme ça, on ne sait même pas ce qu'on fait. Quelle différence! Quelle différence! Donc la achana, c'est important. Très important. C'est pour ça que maintenant, beaucoup de gens vont passer des fois les fêtes, le Pessah à l'hôtel. Et bon, c'est bien, mais il faut savoir que ça ne développe pas le rouge. Une maison où on a préparé le Pessah, les grands nettoyages de Pessah, les grands achats de Pessah. La belle table mise pour Pessah, et la vaisselle, et les matzot sur la table, et les verres de vin, la liste des invités. On a préparé tout ça, le Pessah, vous vous rendez compte? On est fous, nous, les Juifs. Quand est-ce qu'on commence Pessah? Tout de suite à la sortie de Pourim. Tu sors de Pourim, toutes les mamans juives, qu'est-ce qu'elles disent en sortant de Pourim? Allez, il faut se préparer à Pessah. Avec un petit peu un soupir comme ça, mais elles le font avec tellement de joie en fin de compte. Tu sors de Pourim, tu prépares Pessah. Tu comprends? Et puis il y a ceux qui disent cette année, tranquille, j'ai pris l'hôtel, on arrive la veille, les pieds sous la table, on n'a rien à faire et tout. Tu passeras peut-être un bon Pessah, mais qu'en est-il du rouge? Est-ce que tu as transmis le rouge à tes enfants? Quelle part de rouge tes enfants? C'est pas facile, attention. La hana, préparer la mitzvah. Deux aussi, j'ai marqué ici la ishtatfut. Associer nos enfants. Tout ça, quand tu prépares la mitzvah, mais associe tes enfants. Ne sois pas toi la maman. Il y a des mamans, c'est leur problème. Elles font tout seules. Elles préparent tout de A à Z. Et les enfants arrivent, ils consomment. Non, associe tes enfants. À l'un, tu lui dis, tiens, toi, tu vas acheter ceci. À l'autre, tiens, toi, tu vas changer les ampoules. Tiens, toi, tu vas mettre la table.
Tiens, toi, tu vas dépoussiérer la bibliothèque. Associe les enfants. Je peux vous promettre qu'une maison où on associe les enfants à la marge de la maison autour des mitzvot, ils lâcheront pas de citron. Ils lâcheront pas de citron. Donc ça, c'est très important. Associer très tôt nos enfants. Leur donner des responsabilités. Tiens, toi, tu vas être le responsable du Birkat Amazon. Toi, tu vas être le responsable d'apporter le livre de chant. Tiens, les chants, le chant, c'est très important. Une maison juive, c'est une maison où on chante. On chante le Shabbat, évidemment. On chante les jours de fête. Il y a les chants. On chante à Purim, on chante à Hanouka, on chante. Chérim, les chants, c'est très important. Ça développe le rouge. Ça développe le rouge. Chaque fête, elle a ses chants. Il y a les chants de Yom Kippour et les chants de Rosh Hashanah. Et les chants de Hanouka, les chants de Purim, les chants du Shabbat, les chants des fêtes. Les chants de Rosh Hashanah. Il y a les chants. Une maison juive, c'est une maison où on chante. On chante le chant de la fête. Je ne parle pas de les chants les Charles Aznavour. On chante. On chante, on a le livre de chant. Ça développe le rouge, ça. Le rouge aussi, c'est très important en tant que parent. J'ai marqué des histoires. On doit, en tant que parent, raconter des histoires. Moi, mon enfance est remplie des histoires que mon père et ma mère me racontaient. Sur tel rabbi, telle histoire, dans le village il y a eu tel ça, le cordonnier qui a fait comme ceci. Hein, les histoires. L'histoire, je me rappelle encore, je vous ai parlé du cordonnier qui avait une fois une grande période de sécheresse. Et alors tout le monde est allé prier. Et le cordonnier ici est venu à prier, mais le cordonnier était ignorant. Il était ignorant, il ne savait pas prier. Et puis à un moment, il a dit à Hachem, moi je ne sais pas prier. Je ne sais pas prier. Mais dis-moi ta pointure, je te ferai la plus belle paire de chaussures que j'ai jamais fait. Vous vous rendez compte? À ce moment-là, la pluie est tombée. La pluie est tombée. Combien mes parents m'ont raconté cette histoire? Combien ça m'a rentré le rouge? Aïe. Hachem, un autre dit, mais qu'est-ce que tu parles? Tu crois qu'Hachem a des chaussures? Mais tu dis des bêtises. Non, la tmimout, on appelle ça la niya en tunisien. La tmimout, cet esprit simplé un petit peu. Hachem. Ce que je peux faire de mieux, je le ferai pour toi. Donc comme ça, accumuler des histoires. Mon enfance, moi j'ai grandi avec des dizaines d'histoires que mes parents m'ont racontées. Et bien nous aussi, on doit raconter ces histoires. Raconter d'autres histoires, véhiculer des histoires. L'histoire, c'est qui crée le rouge. Raconte des histoires sur ton peuple, sur les grands du peuple, les gens simples du peuple. Bien sûr. Tiens, la décoration de la maison. La décoration de la maison, c'est très important. Dans une maison, là, tu as une belle photo du côté de la Maravi. Là, tu as le Kever Rachel. Là, tu as des photos de Sadikim. Là, tu as des Psukim. Là, tu as une belle menorah. Décorer la maison. Décorer la maison. Mais si autour, dans la maison, on a accroché que des petits chats, un petit chat ici, un petit singe là, je ne sais pas quoi, ou là, la tour Eiffel, que sais-je d'autre. Mais qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement juif dans ta décoration? Ah, tu te retournes. C'est pour ça avoir aussi une belle bibliothèque avec des livres de Torah. Des livres de Torah. Il y a un Rav qui a dit, j'ai eu le rouge de la Torah parce qu'il était orphelin, il a grandi chez son oncle. Et tous les matins, mon oncle, quand il passait devant la bibliothèque, il passait sa main sur la bibliothèque, il embrassait. Il faisait comme ça, il embrassait. Il dit intuitivement, sans que je me rende compte, ça a développé chez moi l'amour de la Torah. L'amour de la Torah. Bien sûr, évidemment, j'ai marqué ma Halim Tovim, les bons plats, très importants, les bons plats du Shabbat. Chaque fête, elle a ses plats spécifiques. Chaque région a ses plats spécifiques. Ah, très important. Là, ça peut être le couscous du vendredi soir, là, ça peut être les boulettes, là, ça peut être le gefilte fish, là, ça peut être le borsch de Pessah, que sais-je. Ah, très important. Ne pas lâcher la moindre recette. Ne pas lâcher la moindre recette. Tu veux faire un comment on appelle ça, j'ai oublié ce plat-là, un steak frites, je sais pas quoi, un steak frites, tu fais ça en semaine. Mais tu vas pas faire un steak frites Shabbat.
Il y a les plats du Shabbat, il y a les plats de la fête. Ah, que chaque maman donne à sa fille les recettes. Une fixe Marie prend là avec elle les recettes de sa mère. Qu'est-ce que c'est beau, une fille qui refait les mêmes recettes que sa maman. De génération en génération, les mêmes salades, les mêmes plats. C'est magnifique. Tout ça, c'est le rouge. Évidemment, les beaux vêtements. Les plus beaux vêtements, c'est pour la fête. Les vêtements du Shabbat. Les vêtements de Pessah. La belle chemise. Il faut veiller à chaque fête. À chaque fête. Veiller à ce que chaque enfant ait toujours quelque chose de neuf. Une nouvelle chemise. Un pantalon, une cravate. Même une paire de chaussettes, une belle kippa. Mais à chaque fête, il y a quelque chose de neuf. Quelque chose de neuf. On attend la fête, une belle ceinture, tu vas acheter une ceinture, j'aime. Attends, dans un mois c'est la fête, il n'y a pas d'urgence, on l'achètera pour la fête. Donc la fête, elle est porteuse de... Oh, il est content, il aime bien, j'aime bien mon costume, j'aime bien ma chemise. J'aime... Tout ça, c'est pour le rouge. Bien sûr. Et puis réfléchir aussi, réfléchir au sens de la fête. Élever notre niveau de réflexion. Voilà, c'est des propositions. J'aimerais très bien qu'on puisse communiquer... Et entendre de vos côtés aussi quelqu'un qui dirait « Voici ce que j'ai fait !» Ce serait génial, ça. « Voici ce que j'ai fait pour développer chez moi le rouge du Shabbat, le rouge de la tzniout, le rouge de la kashrout, le rouge de la tfila. Et voici ce que j'ai fait pour le transmettre à mes enfants. » Magnifique ! Voilà, Bezat Hashem. Alors que nous ayons tous le rouge de servir Hashem Yitbarach, Bezat Hashem. Bracha ve'atzlacha. Au revoir.